Bonjour mes petites étoiles, bienvenue à ma chaîne Étoile filante bleue qui vous guide. Pour ceux qui me connaissent, eh bien, re-bienvenue. Je suis bien contente de vous avoir ici, ça réchauffe mon cœur en cette belle journée. Et pour ceux qui ont cliqué aujourd'hui et que vous êtes, que vous connaissez pas la chaîne, eh bien, bienvenue. Je suis contente de vous accueillir, il n'y a pas de hasard, donc il y a sûrement un message pour vous aujourd'hui. C'est une guidance intemporelle, les messages que les tarots ont pour vous aujourd'hui et les oracles. Donc, à n'importe quel temps que vous cliquez sur la vidéo, c'est à ce moment-là que les messages sont dus pour vous parler. Donc, peu importe si c'est dans 2 semaines, si c'est aujourd'hui ou si c'est dans 1 an, la guidance est bonne. Donc, j'ai pris le tarot, le Light Seers Tarot, désolé, le Mystical Wisdom Oracle, l'oracle des saisons des sorcières, et puis de Angel Answers. Donc, préparez une question pour la fin. Mes anges vont vous répondre, donc une question très spécifique. Il y a des bonnes réponses ici qui sont pour vous, qui vous attendent. Donc, on va commencer. Évidemment, juste pour faire un petit aparté, les guidances sont générales. Donc, ça se peut qu'à certains moments, vous dites non, je pense que ce n'est pas le message qui m'est destiné. C'est possible parce que c'est très général. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez cliquer sur une autre guidance ou attendre une autre journée pour une de mes guidances, peut-être qu'il vous parlera plus. Il n'y a pas de problème. Donc, on commence ici avec le 10 d'épée. Le jugement. Le chevalier d'épée. Le sceptre de pentacle, mais celui-ci à l'envers. Le 10 de coupe à l'envers. Bon. Pour commencer, j'aimerais vous dire, mes petites étoiles, que vous sortez probablement là d'une situation ou d'une mauvaise passe là ici. Donc là, c'est la fin de la douleur, c'est l'espoir qui commence. Donc c'est la fin des événements, c'est la fin de... Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, là, qu'est-ce qui s'est passé. Mais juste pour dire que ça se termine ici et il y a de l'espoir qui arrive. D'ailleurs, il va y avoir un éveil spirituel, une réalisation au niveau de soi. Beaucoup de détermination, du leadership, des décisions que vous allez prendre. Ici, là, tu sais, il y a l'espoir, votre réveil spirituel, votre réalisation s'en va vers l'ambition, le succès, le leadership, les décisions que vous prenez. Il y a un petit bémol ici, c'est-à-dire que peut-être il faudrait, comme on dit, pas partir trop vite ou partir en peur, y aller quand même doucement, parce qu'ici, là, il y a un peu de dépression, de déception, et parce qu'il y avait des attentes trop élevées. OK? Donc, si il était à l'endroit ici, c'est l'abondance. Mais là, c'est plus comme, ah bon, là, vous avez eu beaucoup d'attentes, et puis il s'est retourné. Et là, ça vous décourage. C'est pas de la dépression, mais du découragement. C'est pas au niveau découragement ici. Parce qu'ici, là, on voit, hein, le gars ou la fille, là, la personne ici est bien partie, là. Il n'y a rien pour l'arrêter. Hein?
Mais juste faire attention d'y aller un peu plus doucement afin d'arriver à bon port, mais que ça prenne un peu plus de temps, mais vous êtes sûr d'y arriver. OK? Donc, faites attention à vous parce que vous vous relevez de quelque chose de, qui était douloureux et il faudrait là, y aller doucement pour pouvoir faire bien les choses. Donc, le Mystical Wisdom Oracle. Bon, il parle ici de sensualité. Donc, il dit d'exprimer votre sensualité. Donc, peut-être ici, ça veut dire là, d'accueillir... Bon, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, là, ça fait que je vais parler au féminin. D'accueillir votre féminité, de l'assumer grandement. Et ça peut, la sensualité, là, ça peut être aussi... ça peut être au niveau là, sexuel, mais ça peut être au niveau la bouffe, les odeurs, se mettre du parfum, les beaux vêtements avec des bons tissus, la danse. Ben, c'est ça, exprimez votre sensualité comme vous le voulez. Vous allez bien définir vous-même là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Donc, ici, l'oracle des saisons des sorcières, ils disent... Telling stories. Donc, je vais vous lire. C'est en anglais. Excusez mon anglais. What words so tender can be spoken so bravely unless they are true from the truest of words? Bon. Je vais vous la montrer. Peut-être vous donner le temps. Peut-être vous pouvez lire un peu là, par vous-même. Bon. Donc, en fait, là, ici, moi, ce que je dirais, c'est que vraiment, utilisez vos paroles avec gentillesse, avec douceur. Ayez de la compassion. Votre énergie, vos intentions, de bonnes intentions, la compassion, de la gentillesse, des bons mots. Parfois, là, tu sais, telling stories. Parfois, juste dire des bons mots, même si aussi savoir d'où vous venez. OK, telling stories, d'où vous venez? C'est quoi vos racines? Et puis, ça vous a amené ici, pourquoi? Et puis là, vous accueillez les autres avec gentillesse, vous leur dites de bons mots, des histoires, tout ça pour agrémenter la vie. Et la réponse à votre question, tadam! Oh my God, I like it, j'aime ça! Oui, monsieur, oui, madame, perfect timing! C'est le temps de faire ou de décider ou de dire ou je ne sais pas c'est quoi votre question, mais c'est le temps parfait pour le faire. Ben, bravo, j'adore ça. C'est très bien, c'est un très beau tarot aujourd'hui, là. C'est très positif. J'aime ça. Donc, si vous aimez la guidance, ben, vous pouvez m'encourager, aussi mettre un commentaire. Dans la description, il y a les tarots, là. Vous pouvez voir si vous êtes intéressé au tarot. Il y a tout dans la description. Ici, il y a mon ami aussi, ça s'appelle Création La Roche Énergie, qui fait de belles choses ici. Donc, vous pouvez aller sur son site, là, elle fait des chandeliers ici aussi, celui-là. Là. Donc, vous pouvez aller sur son site si vous êtes intéressé à ces choses. Et puis, ben c'est ça, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous aimez ça, qu'est-ce que je fais? Et ça, si vous dites, peu importe les commentaires, c'est constructif, là. Moi, si vous avez aussi des guidances que vous voudriez que je fasse pour vous, des thèmes, là, plus spécifiques, qui vous intéresseraient, dire, ah oui, moi j'aimerais des guidances sur X. Mais écrivez-moi en commentaire, mettez-moi un petit pouce. Si vous avez des choses, j'aimerais savoir telle chose... Bon, ben, faites-moi plein de commentaires. J'aimerais vraiment échanger avec vous et puis agrandir ma communauté d'étoiles. Et sur ce, mes petites étoiles, je vous dis namasté.